qui ont donné, car c'est toi qui les combleras. Car si nous oublions de nos vies nouvelles, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu nous grands les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Celui qui tombe, tu ouvres ta main et de bienfait tu le combles. Tu es la victoire devant nos regrets. Tu guéris le cœur blessé. Ô sauveur de ma vie, je te loue. Amour infini, je chanterai l'immensité de ton nom, la beauté de ton pardon. Sauveur de ma vie, je te louerai. Tu ouvres les portes devant ramenant mon cœur dans le plan tracé pour moi. Jésus, tu me donnes une vie nouvelle, car ton amour est éternel. Ô sauveur de ma vie, je te louerai. Amour infini, je chanterai l'immensité de ton nom, la beauté de ton pardon. Sauveur de ma vie, je te louerai. Sauveur de ma vie, je te louerai.
chaque jour de chaque saison. Je t'adorerai quand tu m'élèves et lorsque je tombe. Je t'adorerai, mon Rédempteur, mon Dieu, ma passion. Je t'adorerai. Et chaque jour de chaque saison, je t'adorerai. Quand tu m'élèves et lorsque je tombe, je t'adorerai. Mon Rédempteur, mon Dieu, ma passion, je t'adorerai. Mon Sauveur de ma vie, oh, oh, Sauveur de ma vie, Sauveur de ma vie, oh, oh, Sauveur de ma C'est quand même bien, mais ça ne remplace pas jamais le contact humain. Alors, j'ai hâte de voir. Puis, ça, le Seigneur continue de bénir. Ça va bien. Donc, là-dessus, on va se voir bientôt. Merci. Salut. Allô, la gang. Je suis contente un matin de vous parler. J'ai le goût de vous dire que on s'ennuie. On aimerait ça vous voir. Je vous invite par le fait même à venir prendre un café à maison. Un café, on a fait le plein de café, on a fait le plein de galettes. Puis on peut prendre un café dehors, on peut prendre un petit temps ensemble. Il y en a beaucoup que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. On ne s'est pas vu depuis le mois de janvier au moins. Ça fait qu'on vous aime, puis on s'ennuie. Puis, on va bien. On va bien. C'est ça, ici, il n'y a pas personne qui était malade dans la famille et tout ça. Et pour moi, bien, j'apprécie les réunions qu'on a le dimanche. On peut quand même voir beaucoup de gens le dimanche et le mercredi dans les Zooms. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas Internet et qui ne peuvent pas être là, mais pour ceux qui ont Internet, on apprécierait qu'on puisse vous voir. Si on ne peut pas se voir en direct, qu'on puisse se voir le dimanche dans le Zoom ou le mercredi dans les réunions de prière. Alors, on s'ennuie et on aimerait ça vous voir la bête.
Bye bye. À bientôt. Bonjour, je suis heureux d'être avec vous ce matin sur ACS Live. Parce que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas des chaises ni une scène. La Bible dit qu'ensemble, nous sommes l'Église. Merci Seigneur pour cette belle technologie. En 2015, une femme qui n'était pas très technologique a perdu son mari. En faisant le tri des affaires de son mari, elle a envoyé un vieil ordinateur datant de 1976 dans un centre de recyclage. Mais ce qui est important, ce n'était pas la date de fabrication. Mais c'était qui l'avait fabriqué. L'ordinateur comptait parmi les 200 Apple One que Steve Jobs avait conçus à la main. Sa valeur était estimée à un quart de million de dollars. Parfois, connaître la véritable valeur d'une chose revient à en connaître l'auteur. Imaginez combien grande est notre valeur si nous sommes faits à la main par Dieu lui-même. Ce matin, Gilles Despins nous apportera un message sur Psaume 63. Où David, qui vivait alors une situation moins qu'enviable, voire désespérée, a gardé espoir en Dieu. Il dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, dans une terre aride et desséchée, sans eau. » David savait la valeur qu'il avait en tant que créature de Dieu, et il va nous apprendre à adorer Dieu malgré les circonstances particulières. Après le message, Rénal Labrique continuera dans la même direction, avec une méditation sur le psaume 95. Et n'oubliez pas, après le direct, vous êtes tous invités à un temps de partage, d'adoration et de prière sur Zoom. Prions ensemble. Seigneur, ouvre nos cœurs ce matin et rends-les réceptifs à ta parole. Amen. Bon dimanche. Alors, bon matin à tous. Ça fait maintenant un peu plus de 2 mois que nous nous réunissons de cette façon, via Internet, dans des circonstances vraiment particulières. Et ce matin, j'aimerais vous partager un psaume que le roi David a rédigé alors qu'il va exprimer son adoration à Dieu lui-même dans des circonstances aussi particulières, beaucoup plus dramatiques que les nôtres, évidemment. Mais quand même, il parle d'adorer Dieu dans des circonstances extraordinaires. Et c'est ce que j'aimerais vous partager ce matin. Tournez avec moi dans le psaume 63, s'il vous plaît. On va faire la lecture ensemble. Ensuite, je vais prier, puis nous entrerons dans le texte par la suite. Donc, le psaume 63, je vais lire dans la seconde nouvelle édition de Genève. Psaume 63, verset 1 nous dit ceci. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive. Ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Prions.
Merci notre Dieu et Père pour ta parole, elle nous fait du bien. Quel livre merveilleux, un livre vivant. Seigneur, parle à nos cœurs, tu connais notre situation, tu vois ce qui se passe dans nos pensées, tu connais nos raisonnements, tu vois ce que nous faisons chaque jour. Seigneur, qui peut se dérober à ton regard? Nous prions que tu puisses nous parler, nous faire du bien, et puis Seigneur, nous amener à nous rapprocher de plus en plus de toi, peu importe les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Nous te prions ainsi dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Donc, le psaume 63 a été rédigé par David dans des circonstances vraiment particulières. En fait, l'introduction du psaume, alors qu'il précise qu'il était dans le désert de Juda, nous ramène dans 2 Samuel 15, lorsque David a dû fuir, quitter Jérusalem à cause de la rébellion de son fils Absalom. Et j'aimerais qu'on tourne dans 2 Samuel au chapitre 15 et nous allons lire les versets 13 à 30 qui nous présentent les circonstances qui vont amener David à rédiger ce psaume 63. Donc, vous gardez l'endroit dans le psaume 63, mais tournez avec moi dans 2 Samuel pour l'instant, au chapitre 15, simplement pour faire la lecture du contexte de ce psaume-là. 2 Samuel 15, on va lire à partir du verset 13. 2 Samuel 15, verset 13. Il y a d'ailleurs dans ma Bible que j'utilise, la seconde NEG, il y a un sous-titre au-dessus de cette section qui débute au verset 13 qui dit simplement « Fuite de David ». Donc, c'est en fuite que David va rédiger ce fameux psaume 63. Il quitte Jérusalem parce que son fils s'est révolté contre lui. Lisons à partir du verset 13. « Quelqu'un vint informer David et lui dit, « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. » Vous voyez des circonstances vraiment dramatiques. Verset 15, « Les serviteurs du roi lui dirent, « Tes serviteurs feront tout ce que voudra mon seigneur le roi. » Le roi sortit et toute sa maison le suivait. Il laissa 10 concubines pour garder la maison. Le roi sortit et tout le peuple le suivait. Ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les Kérétiens et tous les Pélétiens passèrent à ses côtés. Et tous les Gathiens, au nombre de 600 hommes venus de Gath, à sa suite, passèrent devant le roi. Le roi dit à Ittaï de Gath, « Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi, car tu es étranger et même tu as été amené de ton pays. Tu es arrivé d'hier et aujourd'hui je te ferai errer avec nous ça et là, quand je ne sais moi-même où je vais. » Ça, c'est intéressant cette phrase-là. « Quand je ne sais moi-même où je vais. » David, il ne sait pas là, ce qui va arriver dans la suite des choses. Là. Il doit s'enfuir, il doit quitter Jérusalem à la hâte devant la rébellion de son fils. Mais il ne sait pas ce qui va arriver par la suite. Voilà, lisons ensuite maintenant, verset 20, au milieu du verset. « Retourne et amène tes frères avec toi. » Que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. Ittaï répondit au roi et dit, l'Éternel est vivant et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. C'est un serviteur fidèle, ça. David dit alors à Ittaï, va, passe. Et Ittaï de Gath passa avec tous ses gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Et là, on voit les circonstances vraiment dramatiques de la fuite de David et de tous ces gens hors de Jérusalem. Nous lisons au verset 23. « Toute la contrée était en larmes et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent de Cédron et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. Tsadok était aussi là
et avec lui tous les Lévites portant l'arche de l'Alliance de Dieu. Ils posèrent l'arche de Dieu et Abiathar montait pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Donc, ils pensent amener l'arche avec eux dans la fuite. Mais le roi, au verset 25, dit à Tsadok, « Reporte l'arche de Dieu dans la ville. » C'est spécial, ça. On s'en doute pas, mais c'est le symbole de la présence de Dieu, dans une certaine mesure de sa bénédiction même. Mais le roi dit à Tsadok, « Retourne l'arche dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche et sa demeure. Mais s'il dit, je ne prends point plaisir en toi, me voici, qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. » Le roi dit encore au sacrificateur Tsadok, « Comprends-tu? Retourne en paix dans la ville avec Achimaatz, ton fils, et avec Jonathan, fils d'Abiathar, vos deux fils. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert jusqu'à ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre part. » Ainsi, Tsadok et Abiathar reportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem et ils y restèrent. Et le verset 30, et on conclut la lecture ici, « David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu-pied, et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, et il montait en pleurant. » Marcher nu-pied dans ce contexte-là est un signe de deuil, d'une tristesse profonde. On voit cette situation, c'est assez dramatique où David doit quitter la ville de Jérusalem. Puis il le fait, entre autres, pour épargner les gens de la ville, pour pas qu'ils soient atteints par la guerre et l'épée d'Absalom. Voilà les circonstances du psaume 63. Revenons, si vous voulez bien, dans ce psaume-là que nous allons traverser verset par verset, afin de comprendre ce que David avait à dire dans des circonstances comme celles que nous avons lues. Vous savez, au moment où David y quitte Jérusalem, il n'est même pas certain qu'il va pouvoir un jour y revenir. Il s'en remet entièrement à Dieu. Si Dieu le veut, si Dieu le permet, je reviendrai. Sinon, me voilà, je suis entre ses mains. Mais quand on lit le psaume, on n'a pas l'impression de lire le psaume d'une personne en détresse, dans une fuite. Bien sûr qu'on connaît les circonstances, on les a lues, puis c'est clair que David était préoccupé par cela, mais on ne sent pas nécessairement toute la détresse vécue par David à ce moment-là, quand nous lisons le psaume 63. On ressent plutôt une totale confiance en Dieu. On sent une âme reposée. On sent un adorateur qui n'est pas lié aux circonstances, en fait, qui n'est pas limité par les circonstances. C'est ça qui est impressionnant avec le psaume 63. Vous savez, n'oubliez pas que David, c'était un homme comme vous et moi, là. C'était un être humain, c'était une personne comme vous et moi, puis lui-ci, des moments de stress, d'angoisse, il en vivait, puis il ressentait les choses. Écoutez, fuir devant la révolte de son propre fils, c'est pas un ennemi juré que t'as toujours haï avant. C'est ton enfant qui se révolte contre toi et qui te pousse à quitter le trône, à quitter la ville, à tout délaisser, laisser tout derrière toi et laisser aussi le sanctuaire, le tabernacle que David avait fait ériger là, tout près de l'endroit où il avait son propre palais. Alors, David doit quitter Jérusalem, il fuit la ville, et là, il allait se retrouver dans le désert de Juda, loin du palais royal et de Jérusalem. Loin, pas tellement physiquement parlant ou géographiquement parlant, mais tenu à distance. Il va être tenu à distance de sa maison, mais non seulement de sa maison, mais aussi du lieu de culte habituel du peuple d'Israël, c'est-à-dire la colline de Morija, là où David avait fait dresser le tabernacle et avait placé aussi l'arche de l'Alliance. Donc, David quitte le confort de Jérusalem, de son palais, du temple, du sanctuaire, du lieu d'adoration, et puis là, il se retrouve dans le désert sec, aride de Juda. Et pourtant, il est heureux.
pourtant il est heureux. En fait, c'est ce que je lis dans ce psaume 63. Je ne lis pas un cri de détresse. Je lis l'expression de joie, de bonheur de quelqu'un qui est dans des circonstances pourtant dramatiques. Ça, ça m'impressionne. Relisons les versets 2 et 3. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Vous remarquez certainement ce psaume, hein, il y a plusieurs de nos cantiques qui sont basés sur le psaume 63, avec des cris de joie, entre autres, et d'autres cantiques que nous chantons qui puisent quelques lignes de ce psaume-là aussi. David exprime la joie, David exprime sa communion vivante et authentique avec Dieu dans les deux premières lignes de ce psaume-là, après l'introduction. Donc, pour David, Dieu, c'était son Dieu. Ça, là, c'était pas une religion, là, c'était une relation. C'est quelque chose de particulier quand David dit ça. Dieu, tu es mon Dieu. C'est personnel, c'est la relation qu'il entretenait avec Dieu. Et pour David, même le désert peut devenir un lieu d'adoration parce que Dieu est son Dieu et ce Dieu-là, il est partout. Il n'était pas limité au sanctuaire de la colline de Morija. Il est partout, ce Dieu-là. Alors, voilà pourquoi même le désert pouvait devenir pour David un lieu d'adoration. Voyez ça derrière moi? C'est une miniature de la tour de Constance. Vous avez certainement entendu parler de ça déjà. Pour les Huguenots qui ont été emprisonnés dans cette tour, vous imaginez Marie Durand, entre autres, 38 ans, et plusieurs autres, des dizaines d'années. C'est impressionnant. Et pourtant, la tour de Constance devenait pour ces femmes un lieu d'adoration. Elles pouvaient continuer à adorer Dieu, à l'aimer, même à le servir dans une certaine mesure. Pour les Huguenots du 18e siècle, comme pour David plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ, le désert, pour lui, comme la tour de Constance pour les Huguenots, devenait un lieu d'adoration. C'était un lieu de culte pour eux. Parce que Dieu était leur Dieu et ils avaient une communion vivante avec lui qui n'était pas limitée à des circonstances ou à un lieu particulier. Il y a une terrasse juste au sommet de la tour et parfois on permettait aux Huguenots de s'y rendre pour adorer Dieu à ciel ouvert. Et puis elles pouvaient leur chanter des cantiques et puis du sommet de la tour s'élevait parfois dans les airs, on pouvait entendre les voix de ces adoratrices, de ces femmes de qualité. Elles exprimaient à Dieu toute leur adoration. Et David pouvait faire cela dans le désert, dans des circonstances dramatiques, en fuite devant son fils Absalom qui est révolté contre lui, devant la menace d'une guerre, d'un conflit sanglant. Il était dans le désert, en train d'adorer Dieu. Ça, c'est vraiment particulier, dans des circonstances totalement inhabituelles. Maintenant, c'est clair que dans les circonstances où David se trouvait maintenant dans le désert, la soif allait le guetter. Mais on pourrait parler de la soif physique, c'est vrai. Mais c'est une autre soif dont David parle. C'est pas la soif qu'il va avoir, il va soupirer après de l'eau dans le désert. Ça va arriver, c'est clair. Mais il parle de sa communion avec Dieu, d'une soif de communion avec Dieu. C'est une soif spirituelle dont David parle ici dans ces lignes-là. Vous savez que David utilise un langage poétique dans des circonstances qui sont pourtant réelles, mais quand il parle de soif, il parle de vouloir la présence de Dieu et de désirer être en communion avec ce Dieu-là qu'il sert et qu'il aime de tout son cœur. Quand il se retrouve dans le désert, une terre aride, sans eau,
C'est un peu une image d'un temps d'épreuve, se retrouve dans des temps difficiles, dans un temps d'épreuve. Et c'est souvent là, dans les temps d'épreuve, que la soif de Dieu nous guette. Et puis qu'on va avoir soif de Dieu. C'est une bonne chose en soi. C'est bon qu'il y ait des épreuves qui nous donnent la soif de Dieu, peut-être pour nous amener justement à soupirer après une relation et une communion qui soit plus vivante, plus authentique, plus actuelle. David, j'en suis persuadé qu'il pensait à retourner à Jérusalem puis espérait y retourner. Je suis certain qu'il souhaitait que ces circonstances-là s'arrêtent pour revenir dans les conditions habituelles, normales, paisibles de la vie dans Jérusalem autour du sanctuaire. Mais son plus grand désir restait toujours quand même le même, c'est-à-dire d'être en communion avec Dieu, de se rapprocher toujours plus de Dieu. Quelles que soient les circonstances, David avait soif de Dieu, il cherchait Dieu, il désirait Dieu. Vous savez, quand David est sorti de Jérusalem et puis il nous est dit qu'il a traversé la vallée du Cédron. Si vous êtes déjà allé là-bas, c'est vraiment un endroit, c'est très, très restreint comme endroit. En fait, ça prend à peu près une quinzaine de minutes pour partir du sanctuaire, traverser la vallée du Cédron et gravir la montagne des Oliviers pour se retrouver au sommet de la montagne des Oliviers, qui est à la porte du désert de Judée, parce que tout de suite, de l'autre côté de la montagne des Oliviers, on a quelques villages, et puis après ça, on entre dans le désert de Juda. Et puis, quand David est sorti de Jérusalem, et puis qu'il a traversé le Cédron, il a commencé à monter la montagne des Oliviers, et en se retournant, il pouvait voir devant lui le lieu du sanctuaire. Aujourd'hui, vous allez voir le Dôme du Roc. Vous allez faire le même chemin, et puis vous allez gravir la montagne des Oliviers, vous vous retournez, et qu'est-ce que vous voyez? C'est la vieille ville de Jérusalem, le Dôme du Roc. Et puis, pour David, il pouvait voir le sanctuaire, il pouvait voir le lieu habituel d'adoration, c'était le lieu de culte habituel. Certes, il s'est certainement dit en lui, est-ce que je vais y retourner un jour? Est-ce que je vais pouvoir revenir un jour adorer à cet endroit? Mais maintenant, David était en fuite. Il devait s'en aller dans le désert. Et pourtant, il continue de déclarer qu'il va continuer à contempler le Seigneur dans le sanctuaire. Il s'éloigne de Jérusalem. Il quitte le lieu du sanctuaire, qui est au temps de David le tabernacle, puisque c'est son fils qui va construire le temple, Salomon. Alors, quand il parle du sanctuaire, a priori, il parle du tabernacle dressé sur la montagne de Morija. Mais David utilise cette expression-là aussi d'une manière métaphorique. Il parle du sanctuaire de Dieu, parfois même du temple. Hein, il utilise parfois le mot temple ou maison de Dieu. Il y a plusieurs synonymes pour parler de la présence de Dieu. Quand David dit qu'il continue d'adorer Dieu, de le contempler dans le sanctuaire, il ne parle pas forcément du sanctuaire littéral sur la montagne de Jérusalem, mais il parle de la présence de Dieu. Donc, pour David, adorer Dieu dans le sanctuaire, ce n'est pas forcément se retrouver à un endroit précis, géographiquement, pour adorer Dieu. Ça peut être n'importe où, c'est simplement une façon d'exprimer qu'il adore Dieu dans sa présence, qu'il a le privilège d'entrer dans la présence même de Dieu. C'est un peu ce que nous vivons maintenant. Nous sommes bien sûr dans des circonstances totalement différentes. Là, on n'est pas poursuivi par personne et ni persécuté, rien du tout. Ça n'a pas rapport. Mais nous sommes tenus quand même à distance du lieu de culte habituel, de la même manière. Et puis, qu'est-ce qu'il arrive maintenant? Par la technologie, on peut avoir un culte commun. Mais imaginez si on est dans une époque où il y a la COVID-19 comme ça, mais qu'il n'y a pas de technologie, pas d'Internet. Et nous sommes tous confinés. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on continue d'adorer Dieu? Est-ce qu'on peut continuer à le servir, à le louer? Les circonstances habituelles, normales, c'est de se rassembler pour le faire. Mais si cela n'est pas possible, on peut quand même continuer à adorer Dieu. C'est pourquoi je voulais parler d'adorer Dieu dans des circonstances particulières.
Moi, j'aspire à ce qu'on retourne au local et qu'on se rassemble à nouveau, qu'on soit physiquement, géographiquement au même endroit, pas parce que ça va être mieux pour adorer Dieu dans un sens, mais parce qu'on va pouvoir être ensemble collectivement, rapprocher les uns des autres, élever nos voix ensemble, partager la communion, tout cela. Mais en attendant, depuis plus de 2 mois au Québec et partout ailleurs dans le monde, on adore Dieu dans d'autres circonstances totalement particulières qu'on n'avait jamais vues avant. Puis on le fait à travers cette technologie qui est déjà super aussi, parce que ça nous permet quand même une réelle communion malgré tout, même si c'est au niveau électronique. Donc, on a aussi accès au sanctuaire. Nous aussi, on peut dire, je continue d'adorer Dieu dans le sanctuaire. Ceux qui sont malades dans les hôpitaux, dans des endroits isolés peut-être, qui n'ont peut-être même pas accès à Internet, je ne sais pas, ou c'est difficile pour eux la technologie, ils peuvent continuer à adorer Dieu. Ils peuvent continuer à louer le Seigneur. Bien sûr, tout en aspirant à revenir à ses conditions normales et habituelles, mais en attendant, voilà, on peut continuer à désirer adorer Dieu et à le contempler dans son sanctuaire. C'est exactement ce que David dit dans ses premiers versets. Relisons les versets 4 à 6. « Car ta bonté vaut mieux que la vie. » C'est comme s'il disait, connaître tout ce que tu es, la bonté, c'est le caractère même de Dieu. Ça vaut mieux que la vie elle-même parce que la vie est remplie de circonstances difficiles, d'épreuves, etc. Et si ça dépendait de la vie, notre bonheur et notre joie, je veux dire, ce serait très éphémère. Comme David est en train de le vivre. Hein? Un roi en pleine expansion, tout va bien, et du jour au lendemain, paf, va-t'en parce que ton fils s'est révolté et il veut t'assassiner. Tu dois quitter maintenant. La bonté de Dieu, ça vaut mieux que la vie. La vie peut être tellement difficile. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. C'est un symbole d'adoration, de contemplation de Dieu. Et puis au verset 6, « Mon âme sera rassasiée comme de mets, gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. » David n'avait pas besoin du sanctuaire lui-même, littéral, physique, ou même des objets représentant la présence de Dieu comme l'Arche de l'Alliance. Il n'avait pas forcément besoin de ça pour pouvoir louer et adorer Dieu. Bien sûr que le sanctuaire, la présence de l'Arche de l'Alliance, les sacrificateurs qui exercent le culte, tout ça, c'était la manière habituelle, normative, d'adorer Dieu. Mais si on se retrouve dans des circonstances particulières, inhabituelles, on continue d'adorer Dieu. C'est un peu ça l'idée aussi pour nous. Quand le sacrificateur Tsadok a voulu emmener l'arche avec David dans sa fuite, hein, qu'est-ce que dit David? Retourne l'arche dans Jérusalem. C'est comme si David disait, je n'ai pas obligatoirement besoin de l'arche pour adorer Dieu. C'est habituel, c'est la norme, c'est auprès de l'arche hein, qu'on exerce le culte et tout ça, mais même si elle n'est pas là, je peux adorer Dieu quand même. Donc, retourne-là là-bas, David, il sait qu'il n'a pas besoin de ça pour continuer de servir le Seigneur. Ce n'est pas du mépris envers l'arche. Il ne rejette pas non plus le sanctuaire. Il ne dit pas, tant, c'est fini, moi, je n'ai plus jamais besoin de ça. Maintenant, je peux adorer Dieu n'importe où. On a peur de ça présentement, partout dans le monde. On a peur que des croyants se disent, « Hey, c'est super la technologie, je suis chez nous dans le confort, ça ne m'intéresse plus d'aller à l'église, je ne veux pas y retourner, j'espère qu'on va continuer comme ça, je suis bien chez nous, etc. » On a peur de perdre des chrétiens. Honnêtement, les leaders des églises locales éprouvent cette crainte réelle que des croyants abandonnent les rassemblements parce qu'ils sont bien chez eux, puis ça leur dit plus d'aller se rassembler à tel ou tel endroit maintenant. Ils vont demander qu'on diffuse par Internet les réunions. Puis voilà, c'est une crainte qu'on a maintenant. Alors, il faut faire la part des choses. Il y a le normatif et il y a les situations inhabituelles. Et ce que je veux dire avec ce psaume, comme David l'a dit aussi, et je suis persuadé que c'est ce qu'il pensait, c'est que normativement, c'est là où on doit adorer Dieu. Pour lui, Jérusalem, pour nous, le lieu de culte habituel. Mais dans des circonstances comme celle-là, on peut continuer, puis on doit persévérer à adorer et à louer
le Seigneur, mais j'aspire à ce qu'on revienne dans nos églises locales. En attendant, je bénis Dieu qu'on puisse quand même faire un culte comme ça et puis se rassembler ensemble. Imaginez David, il va adorer Dieu comme ça partout dans les recoins du désert de Juda, mais son cœur reste vers Jérusalem, il n'y a aucun doute. Ce qui est étonnant aussi, c'est que David ne se plaint pas. On ne ressent pas de plainte, de critique. Au contraire, il ne fait que bénir Dieu, le remercier, le louer. Il n'y a pas de calomnie, c'est simplement qu'il bénit Dieu. C'est-à-dire qu'il dit du bien de Dieu, il remercie Dieu. Dans l'Écriture, quand on bénit Dieu, c'est un acte d'adoration, c'est un acte de louange, et c'est particulièrement un acte de reconnaissance pour tout ce que le Seigneur fait. Et la louange a un impact direct dans la vie de l'adorateur, du croyant. Vous voyez ce que David dit au verset 6, suite au fait qu'il dit « J'exprime mon adoration à Dieu, je bénis Dieu », il dit « Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents ». En fin de compte, c'est comme s'il parlait des retombées sur lui-même de son culte d'adoration au Seigneur. Je dirais qu'il n'y a rien qui satisfait plus le cœur humain que d'adorer Dieu. Il n'y a rien qui nous satisfait plus que ça. On trouve notre joie dans des choses matérielles. Il y a bien des choses ici-bas qui nous apportent un peu de joie ici et là, un peu de bonheur peut-être. Mais franchement, il n'y a rien qui peut rassasier le cœur, l'âme, l'esprit du croyant que d'adorer Dieu. Donc, pour David, il savait ça, il dit, c'est comme, il compare avec quelque chose là de, t'sais, d'extraordinaire, un grand banquet, un festin super, wow! Voilà, d'adorer Dieu, c'est comme de participer à un banquet super. Ben, ce sont les conséquences qu'on ressent dans le plus profond de nous-mêmes quand on adore Dieu. Et les versets 7 à 9, ils continuent à adorer Dieu, peu importe l'heure du jour. On lit verset 7. « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. » Lorsque David se couchait, puis on se rappelle, là, toujours dans le désert, dans des circonstances difficiles et inhabituelles, quand David se couchait, il pensait à Dieu. Et ce verbe « penser » ici signifie littéralement « se souvenir ». C'est comme si David repassait sa journée à la fin, puis on fait tous ça, je pense. Et puis là, il pensait aux choses de sa journée, puis aux bénédictions que Dieu lui avait accordées, puis il louait le Seigneur pour ça, le remerciait. Si on revient au verset 2 rapidement, il dit au verset 2, « Je te cherche, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. » Et ce verbe « chercher » ici signifie en hébreu « chercher très tôt le matin ». Il a cette connotation particulière. C'est pourquoi dans la Bible d'Arbi, il est dit « Je te cherche au point du jour » ou la traduction « Tob » a dit « Dès l'aube, je te désire ». Donc, dans le verset 2, David s'occupe et se préoccupe de Dieu le matin. Puis quand on arrive au verset 7, c'est le soir, quand il se couche. Autrement dit, au début de sa journée, il pense à Dieu. À la fin de sa journée, il pense à Dieu. Puis entre les deux, il marche avec Dieu. David est un homme imprégné de Dieu, peu importe les circonstances. Je crois que c'est ça qu'il faut faire, qu'il faut développer dans nos vies pendant la situation actuelle. Profitez de ça pour vous rapprocher de Dieu, pas pour vous éloigner, pas pour vous distancer dans un contexte comme on vit actuellement, pas pour vous distancer des choses de Dieu, au contraire. On a peur de ça. On a peur que les circonstances fassent en sorte que les croyants s'éloignent du Seigneur parce qu'ils ne viennent plus à l'assemblée, littéralement, ils ne sont plus là. Ça devrait être le contraire. Soyez comme David. Dès le matin, cherchez le Seigneur. Pensez à lui en vous couchant. Puis entre les deux, marchez avec le Seigneur. Adorez-le. Rapprochez-vous de lui. Remerciez-le pour tous ses bienfaits. Préoccupez-vous continuellement du Seigneur. Et ça, c'est un culte d'adoration. Et finalement, dans les versets 10 à 12, David, il montre
la différence qu'il y a entre ceux qui marchent avec le Seigneur, qui l'adorent, peu importe les circonstances, et ceux qui ne marchent pas avec lui. Mais ceux qui cherchent à monter la vie iront dans les profondeurs de la terre, ils seront livrés aux glaives, ils seront la proie des chacals, et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. David, il ne se réjouissait pas du malheur de ses ennemis. Il fait simplement qu'une constatation ici. Les méchants sont perdus, mais ceux qui promettent allégeance au Seigneur, c'est-à-dire ceux qui sont victorieux, qui sont fidèles, loyaux, qui sont justes, eh bien, ils vont glorifier Dieu. L'expression ici, elle est particulière. « Quiconque jure par lui s'en glorifiera ». C'est une phrase qui signifie « Celui qui promet la fidélité au Seigneur, il va se réjouir fortement ». Le verbe « se glorifier » dans l'Écriture a souvent cette connotation-là. Eh bien, c'est le sens ici. Celui qui promet fidélité au Seigneur, qui marche avec lui, qui est en communion vivante avec le Seigneur, eh bien, il trouvera toute sa joie. Pour les autres, c'est dramatique. La dernière ligne du psaume dit « La bouche des menteurs sera fermée ». Pourquoi la bouche des menteurs? J'ai l'impression que David, il parle de ceux qui prétendent avoir une relation avec Dieu, mais qui n'en ont pas vraiment. Et puis à la fin, ils se retrouvent sans rien à dire. Mais pour nous croyants qui avons le privilège de connaître le Seigneur, rapprochons-nous de lui constamment, louons-le, bénissons Dieu, adorons-le dans les circonstances particulières que nous vivons. J'ai lu un bref ouvrage qui amène 5 questions de réflexion sur le psaume 63 et je conclue avec ces questions-là. Vous pouvez peut-être les noter et puis réfléchir pendant les journées qui vont suivre. Dans quelle situation David se trouve-t-il dans le psaume 63? On en a parlé brièvement. Qu'est-ce qui lui manque particulièrement? C'est quoi qui lui manque? Qu'est-ce qui le satisfait? 4e question, tournée vers vous d'une façon plus particulière. Dans quelle mesure avez-vous l'occasion de vous rapprocher de Dieu pendant cette crise? Dans quelle mesure avez-vous l'occasion de vous rapprocher de Dieu pendant cette crise? Et dernière question, dans quelle mesure votre joie dépend-elle de circonstances favorables? Dans quelle mesure votre joie dépend-elle de circonstances favorables? Que le Seigneur nous parle à travers ce psaume et ces questions de réflexion qui nous amènent à l'adorer dans les situations particulières que nous vivons. Je vous souhaite un très beau dimanche à chacun d'entre vous, une belle semaine qui s'en vient. Que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien à travers la lecture de sa parole, la prière et l'adoration. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Et rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Est à mes côtés, sa main me soutient. Aucun...
Une question. Est-ce que quelqu'un de sensé construirait sa maison sur une plage de sable? Bien entendu, non. Quand bien même une plage de sable, ça nous offre une vue panoramique sur la mer, quand bien même la maison serait la plus parfaite et la plus solide possible, c'est quelque chose qu'on ne ferait pas, bien entendu. On sait tous que pour construire une maison, ça prend une structure bien ancrée, un solage bien ancré pour appuyer solidement notre construction. Et cela, bien, comme sur du roc. Quelqu'un peut se demander alors, qu'en est-il de sa vie? Qu'en est-il de sa raison de vivre, de sa raison d'exister? Sur quoi nous appuyons-nous pour notre vie, pour notre mort? Quel est le meilleur point d'ancrage que quelqu'un peut avoir, que nous puissions avoir, nous les êtres humains? Est-ce que c'est notre richesse? Est-ce que c'est notre réputation? Est-ce que c'est nous-mêmes? Une autre question. Quelle est l'unique espérance, ou si vous voulez, l'unique assurance qu'une personne doit avoir? La réponse, eh bien, c'est celle d'appartenir corps et âme, non pas à nous-mêmes, mais à Dieu et à notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas étonnant que dans la parole, on nous présente Jésus comme un rocher. Et d'ailleurs, cela est le thème de ce mois-ci. À ce titre, on a médité sur quatre aspects à date de ce thème. Premièrement, que Jésus est notre refuge. Deuxièmement, qu'il nous écoute et nous entend. Troisièmement, qu'il est celui vers qui tout homme doit se tourner. Et quatrièmement, qu'il est totalement digne de confiance. Aujourd'hui, le sujet de notre méditation sera lié au fait que Jésus est totalement digne de louange. Vous savez, le Seigneur ne nous doit rien, alors que nous, on lui doit tout. D'ailleurs, la parole nous dit « Qu'est-ce qu'on a que l'on n'a pas reçu? » Donc, on a tout reçu du Seigneur, alors que tout a été créé par lui et pour lui. On lui doit tout, et à ce titre, on lui doit honneur et gloire. Notre Seigneur qui nous a aimés le premier, ce qu'il veut, c'est des cœurs, comment je pourrais dire, que nous l'aimions de tout notre cœur, cherchant constamment sa volonté, mais il veut aussi des cœurs d'adorateurs. Oui, le Seigneur est digne de louange, et sa parole nous exhorte à louer Dieu. Là-dessus, j'invite à plonger les regards dans le psaume 95, à partir du verset 1. « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Prions. Simplement en disant, louons le Seigneur en toutes circonstances. Louons-le même lorsque nous ne comprenons pas ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Amen. Maintenant, rendez-vous via la plateforme Zoom pour poursuivre notre adoration et notre communion fraternelle. Passez une bonne journée.
Vainqueur sur la mort.